d'Angleterre serait-elle sortie de son devoir de réserve? En effet, le protocole interdit formellement aux membres de la famille royale d'Angleterre de prendre parti politiquement. Mais de fins observateurs ont remarqué qu'Elisabeth II portait, pour la venue de Donald Trump au Royaume-Uni, une broche qui lui avait été offerte par le couple Obama ainsi, une broche offerte par le peuple canadien ainsi qu'une broche qu'elle avait précédemment portée pour les funérailles de son père. Les trois jours de la visite de Donald Trump au Royaume-Uni, la reine a donc été aperçue avec ses trois pièces hautement symboliques. Et le choix de ces bijoux a été vu par certains comme un geste délibéré de protestation contre la politique menée par l'homme politique américain. Donald Trump a été élu il y a un peu plus d'un an président des États-Unis après le très populaire président Obama. Depuis son élection, celui qui était initialement un très riche homme d'affaires a enchaîné les polémiques et les choix controversés politiquement, en particulier en ce qui concerne l'immigration. De nombreuses manifestations ont ponctué sa courte visite officielle en Angleterre. Crédit photo, agence Best Images.